Mesdames et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur TV Lakay. Jeudi, hein, c'est jeudi 4 novembre 2021. C'est pratiquement 4e sortie nous, pour ce maintenant. N'a dit merci à tout le monde qui a commencé et qui a continué avec nous. Et nous comptons chaque fois nous porter une nouvelle vidéo pour sous ça qui est pour avec actualité en Haïti ou à l'étranger à ce mode là nous toujours là à chercher bousquer porter pour jodi à la gen Bob C qui réagit sous et ben ça qui était passé dans le village de dire côté base 5 secondes ta kidnappé une demoiselle qui sorti Canada qui a environ 24 l'année et ben côté bon vidéo qui t'a circulé t'a et ben fait comprendre que base 5 secondes ou bien ISO avec l'autre soldat ou t'a violé demoiselle ça en pile Alcis t'a fait dans audio ça que nous allons inviter tant de réactions Bob C sur question ça et puis gagne président Sénat Joseph Lambert qui lui-même en fouet droite dans ce domaine qui est bien voulu passer Haïti en papier, qui t'a voulu pour nous bien contrôler Haïti, pour Haïti accéder à nous, t'a fait un seul et dirigé par un seul président qui c'est Luis Abinader, et bien président Sénat, Joseph Lambert, pas content, et pas content, action ça, il bat bravo pour Claude Joseph qui, et bien, t'es corrigé carré président Sénat maintenant sur Twitter, pour l'inviter au temps de, et bien, tout temps intervention ça, ou sous, ça qui a passé dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, pas oublier ou sous TV Lakay, si vous pouvez vous abonner, faites ça pendant même mois sur vidéo ça, une façon pour qu'à vous êtes informé. Bob n'a pas résolu le problème, non, mais on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de fomenter la parole. Si Bob Apedo l'a toujours aidé, il semble une vidéo Alcis qui t'a baillé dans nos familles, au Canada, etc. Si n'a pas de il passe à clé, il ne pas faire autre pot de il pas habitué, patati patata. Donc, ils ont dit son montage, vraiment beaucoup de famille, beaucoup de famille fait ça. Première fois, je me tends de lui. Moi-même, je toujours servi avec bon sens, logique et raisonnement. Les gens voient le bon moyen, ils disent, bon, est-ce qu'on va passer dans le journal là, me dit, écoutez, je toujours joué avec prudence. Je toujours dans le monde, quel que soit, l'hiver, c'est pire ennemi, pire ennemi. Ou gon bagay avec, dit bagay la jan liye. Il va parce que c'est pire ennemi, et puis on mettre des bagay qui passent. Je dis que, c'est dans le raisonnement pas moi, vous comprenez? Qui fait me pas entrer dans vent, gros courant, sensation. Je dis que, est-ce que c'est FIA qui fait enregistrement dans le moment qui a fait ça à clé? À qui téléphone? Point d'interrogation. Deuxièmement, je me questionne tête moi, qui intérêt pour monsieur a fait ça à clé et puis en même temps il a fait vidéo probablement qu'a dit intérêt pour sensibiliser parents etc. Donc dans le doute je m'abstiens m'te gen doute sur ça m'tendé a et puis je m'abstiens et puis m'tendé que ISO vienne répondre et voice là t'a circulé hein et vrai à vrai dire que m'te dit que si on monde victime dans état ça vu ampleur journal tout pays à grand boulevard qui rive tout partout dans le monde proche li dans Montréal dans Canada bon bonnes amis dans Canada il t'a fait pas m'pa jwenn un message qui saute Canada et qui gè rapport avec ça m'tap tande ya et ce comment de là bon je fais me rapide parenthèse jusqu'à preuve du contraire donc en même temps tout c'est pas pour nous chercher boss n'a fait boss chercher boss et puis nous là on des bagages et puis raisonnement nous pas même font petit raisonnement avant que nous la guerre donc si la vérité m'pa gen moyen pour ça mais m'gen des questionnements me fait est-ce que c'est fia qui fait voix pour voir by famille ça c'est une. Si c'est monsieur qui t'a fait avec la qui fait qui intérêt que vous fait peut-être intérêt ou capable visible mais moi même pas elle donc côté proche famille côté l'autre monde famille qui connaît la vivre ça côté famille kidnappé est-ce que vous venez dans radio il est nous connaît et pas pile pas macon guerrier Pierre on a recevoir famille mon kidnappé nous pas recevoir aucune famille sur ce dit que pas trop intéressé à passer yon bagay que m'tande en pile monde a fait boss avec. D'accord, avant Colonel, bon bay numéro ça pour monde qui te mande oxygène pour parler là. Oui, il y a tant je vais nous bay 37 55 40 07 mon nan rele Jean-Marie Ernest, ti papa donc ou capable rele gagner oxygène disponible. Nous joine pour yo. Y a rele son numéro de téléphone ami. Ah mon estime que son situation difficile, son situation complexe qui m'a demandé une mise en commun
et ceci de manière sincère, mais de manière responsable. Mm-hmm. C'est pas dit que ou café, mais c'est garder la meilleure façon peut-être de faire et faire ce que vous pensez qu'il est nécessaire dans le moment pour faire. Voilà. Maintenant, qu'on y a bon garder avec vous, sénateur Lambert, crise ou bien conflit ouvert, bras de fer qui existait entre Haïti et la République dominicaine, moi Claude Joseph a parlé là, fâché, Abinadel fâché là, puisque Claude dit, insécurité a pas seulement en Haïti, le Saint-Domingue tout, il dit, l'île n'a pas un président, Abinadel fâché, Géminis qui dit, Claude pas doué comparé niveau insécurité Haïti avec Saint-Domingue, et va prendre tout, Ariel parler dans le téléphone avec Abinadel. Comment suivre crise ça? Bon, tout d'abord, on a dit la question de conflit est toujours réglée par les voies diplomatiques. Et si Kounyala diplomatie a failli, le fa Kounyala, c'est la force. Et généralement, force-là, toujours, il y a toujours une tendance à utiliser force-là, soit en forme ou bien soit en l'autre, lorsque il y a des conflits. Que au capable d'essayer de gérer de par canal diplomatique. Un fait est certain, c'est que le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, a pris position par rapport à attitude et comportement, disons bonne foi ou mauvaise foi, ou bien comportement et attitude calculée de Abinadel, eh bien, tout ça, yo, nous ne pouvons pas commenter sur yo, mais le commun des mortels capable de comprendre que bon jouet, intelligent, capable de jouer, et du côté d'Abinadel. Bon. Et un fait est certain, c'est que est-ce que le ministre des Affaires étrangères a parlé ou bien intervenu pour contenir ou bien intervenu de manière concertée avec le premier ministre? Mettons point d'interrogation sur lui. Et c'est à eux de savoir parce que c'est eux-mêmes qui, dans le gouvernement, et c'est eux-mêmes qui ont géré le gouvernement. Oui, mais s'il intervenu pour contre l'île dans bagaille, s'il intervenu avec le premier ministre Vlé dans l'autre bagaille et sénateur. Bon, je ne sais pas qui ça, le premier ministre lui-même lui dit. Est-ce que le premier ministre lui-même l'État d'un bagage qui allait dans le sens contraire à ta ministre des Affaires étrangères, la DIA, pas à croire que l'État est intelligent de sa part. Maintenant, c'est certain, les faits pour lui toujours créer les conditions pour éviter en escalade. Et autant que capable. Parce que les questions, parce que tout est une question d'intérêt. L'intérêt qu'on vient ou même dans l'agitement ça, et qui intérêt que le gouvernement ou bien le président Abinadel gagne lui-même dans le comportement ça. Un fait est certain, c'est que nous croyons que nous avons tout intérêt à appeler à la solidarité et appeler aussi à la sérénité dans un moment où effectivement nous avons besoin de cette solidarité internationale. Mais nous avons aussi besoin d'un État, même lorsque il est faible, mais qui en même temps capable, en mesure pour affirmer souveraineté et tout. Et ça qui arrive là, c'est encore faiblesse d'État. Faiblesse d'État avec institution qui presque pas existé. Et la seule institution qui joue aujourd'hui à être légitime, qui a transféré pendant le pays, où est ça que n'a fonctionné avec un tiers du Sénat jusqu'au deuxième lundi de janvier 2023. Ça veut dire que nous conscients que gain ont faiblesse. Donc faiblesse dans l'État et faiblesse d'État fait que des fois gain toute une fan possibilité qui ouvert et que Abinadel t'a essayé exploiter ou bien t'a essayé exploiter de manière intelligente. Voilà, en gros, c'est ça que nous avons dit sur question ça. Lorsque Kounia, un président de Abinadel, a pris à la solidarité internationale et pour en faveur Haïti et que son premier acte
après l'intervention du ministre des Affaires étrangères, M. Claude, c'est d'abord agi dans couper et demander suspendre émission visa étudiant. Mais je crois que solidarité dont l'État paléa n'est pas fait preuve lui dans le moment ça. Et pour Takawe, le maire de Santiago, a eu à dire que c'est un acte de barbarie politique. Et est-ce qu'il y a des problèmes internes entre partis, rivalité entre partis et partis? Mais cependant, nous estimons que ACLA sont actes qui malvenus, sont actes qui maladroits. Hier soir, je crois que le président Abinader a parlé aussi à la Voix d'Amérique et Abinader précisait que lui-même lui mandé dans la logique souveraineté et contrôle et entrée sortie qu'a fait dans le pays et monde qui a évolué dans le pays et dans la logique de souveraineté par lui-même de le gagner comme État, eh bien il croit que il a intérêt à contrôler tout le monde que la visa et tout le monde qui a contrôlé entrée sortie la caille. Il dit parce que il pas voulu passer dans maille filet étudiant yo des monde qui impliqués dans la question kidnapping, dans la question de tout mauvais acte en dans le pays d'Haïti. Peut-être la PCE rectifier le tir tout parce que, à dire vrai, cette mesure adoptée ou annoncée et adoptée par le gouvernement dominicain et sur instruction de M. Abinader, eh bien, il n'est pas fait l'unanimité au sein de la classe politique dominicaine. Maintenant, il y a des gens qui disent que là, vente nous dans mes domaines, mes poches dans mes noms. Sur le plan commercial, nous ne devons pas acheter dans mes yo, à l'acheter l'autre côté, justement pour au moins qu'il y ait une réponse avec déclaration et position à Abinader. Ou David, ça a marché, n'a pas gagné? Écoutez, je crois que. Kounyala, c'est coup pour coup. Je ne sais pas que c'est ça. C'est un acte souverain, d'un État souverain qui posait par, qui une déclaration qui fait par notre ministre des Affaires étrangères. Nous tenons à témoigner cette solidarité haïtienne dans le moment ça, aux côtés de notre ministre des Affaires étrangères. Parce que surtout avant tout, nous sommes aussi un État souverain. Et j'ai entendu et lu la déclaration du président du Sénat dominicain qui dit même supporter le président. Moi aussi, je me dois de supporter et, mon gouvernement et, parce que l'État à nous en tout sont l'État souverain. Nous avons le droit de dire bon agissement ou gagner, agissement pas répondre. Ou bien pas faire plaisir, ou bien soit pas agir, ou bien gagner tout comme intérêt pour agir. Sans doute, et de première fois tout, que Abinader parlait avec le Premier ministre. Ça avait dit ça, j'avais dit que le plus doux pas même reconnaître l'intérêt de développer des relations entre le Premier ministre et Ariel. Tout compte fait, est-ce que c'est. Pas acheter nos meilleurs encore quand on a perdu plusieurs millions de dollars américains et que certainement et que classe politique ou bien classe commerçante ou commerciale l'autre bord va aller en mouille Abinader. Bah quoi que c'est ça que dit. Mais aussi, tout comme sans question de réciprocité, de la même façon qu'il y a agi le coupé, il demande de contrôler les visas étudiants. Il ne dit pas couper, il demande de contrôler parce qu'il rectifie. Avait dit qu'il y a un moyen tout que nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de prendre des mesures comme des cas dans la logique de réciprocité et puis on prend des mesures tout. Tout comme les États-Unis quand on fait des bagarres avec la Russie. La Russie choisit tout, les ballons répliquent. Dans la logique de transférer, de rappeler 10 ambassadeurs, 10 diplomates, ils disent tout le niveau et 10 diplomates aller. Ça veut dire que là, je vous le dis, donc nous reconnaître et admettre que le niveau d'insécurité qu'il y a aujourd'hui en Haïti ne correspond nullement à ça qui gagne en République dominicaine. Ça, il faut aussi l'avouer. Mais je pardonne, est-ce qu'il y a. Des banditismes de rue et autres, etc. Bon, avant, il y a là, ouais, mon major général, qui a fusillé.
Ça veut dire que ou est étudiant ensemble avec Mawas, l'Université autonome de Santo Domingo, qui a fait voyer Watch tout sur la police, et puis la police a voyé Watch sur tout. Tant que des gangs qui n'ont mis dans la rue, ça avait des bidonvilles et tout, parce que chaque avec bidonville tout en République dominicaine, il faut aussi l'avouer. Mais cependant, le niveau de développement de République dominicaine pas similaire, ni semblable avec Panama du tout. Donc, il y a un effort à faire. Il y a aussi cet orgueil haïtien qui doit fouetter nous, pour nous capables de payer en l'autre gens, pour nous orienter payer en l'autre gens. Ça fait, nous croyons que je dis, ça qui passe là en République dominicaine, en République dominicaine, doit appeler. Tout le monde qui a dit à capturer coup de zame dans la tête Tibois, dans la tête Gravine, tout partout en notre pays, a dû comprendre qu'il faut, à un certain moment de la durée, qu'il faut aussi aller vers un assouplissement de la situation, mettre bas les armes et permettre au pays de recommencer à fonctionner normalement, mais en considérant tout le monde égal à égal. Comment on doit résoudre crise ça pour me finir avec ce sujet, sénateur Lambert? 1, 2, 3, comment on peut résoudre lui? C'est d'abord par la voie diplomatique. Hein? Deuxièmement, faire de telle sorte que qu'on ne joue pas au tout le monde place en responsabilité, hein, pour gratter Abinadel, lui-même, très certainement la ramasser pieds lui. Et puis que le gouvernement haïtien tout fait œuvre qui vaille tout pour regarder pour eux qui gens ne sont pas capables de prendre des mesures appropriées, non pas de frapper l'estomac non et autres, etc. Dit que comme chef de gouvernement, j'espérais que peut-être les cas comprennent que bon effort pour faire, bon effort de dépassement, de compréhension de la situation politique, et qu'il faut aller et qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de marché bien. Il y a une situation de blocage, et par conséquent, il faut prendre conscience de ça et faire œuvre qui vaille. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut aussi aller pianissimo et puis créer une situation de dégel et de compréhension réciproque de part et d'autre, tant du côté dominicain que du côté haïtien, pour essayer d'aborder l'avenir avec plus de sérénité, de compréhension, mais avec autant de solidarité que nous pensons que je vous dis, à solidarité de part et d'autre que nous besoin. Bon, regardez à mon petit politique rapide, sénateur Lambert, puisque Mohamed Hannibal Kofi lui démissionné de poste, lui, chef cabinet, et pendant temps ça ou même, et quelques jours là, mandé à ce que Ariel Henry démissionne, puisque le père dit confiance population. 3 mois déjà, où pensez-vous que vous êtes là? Démissionnaire, en crise. On va avec une grève passée, gaz pas cabaye, ça m'a tiré, et puis on a un gouvernement qui n'a pas dit un mot. Bon, le chef gouvernement n'a pas dit un mot. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est démissionnaire. Et comme de fait, il a compris mon message et j'ai vu qu'il a réagi quelques temps après, de 48 heures après. Il a eu à faire cette annonce. Bon, il était non pour 9 heures du soir et puis le Premier ministre en parlait jusque vers minuit. Ça veut dire que ça, il faut que l'on pratique tout. Mais il y a un peu de respect pour les gens. Pas qu'à mettre au monde devant l'écran télévision depuis à 8 et 9 heures du soir et pour aller parler jusqu'à minuit. Alors là encore, c'est mon deuxième conseil que je suis capable de bailler, que si l'Union est capable de prendre, c'est encore ça. Je me vois que l'intervenu, après que je me suis senti que l'État a arrêté bouche bée sans ça, la population, ça gagne, ça a fait. Et ça gagne, ça a fait, ça ne veut pas dire que c'est crise, donc on résout en seul coup. Mais cependant, expliquez-moi une situation difficile qu'on la donne, quelle disposition qu'on apprend, quelle disposition qu'on prend. Si ça, vous pensez qu'on est capable de venir comme résultat pour que la population elle-même pas supposée dans la spectative, même gens ensemble avec vous. Et voilà, en gros, M. Hannibal Kofi, certainement, et il était annoncé depuis quelques temps. Il a été fait ça.
et moi-même qui t'ai un petit gendarme dit des fonds qui ralentit toujours et autres, etc. Parce que j'apprécie beaucoup, pour ne pas dire j'adore mon directeur de cabinet. Et maintenant je dois dire mon ex-directeur de cabinet. Mm-hmm. Mais il reste toujours un ami, un frère, en qui, sur qui je peux toujours compter, et il peut toujours compter aussi sur moi. Et un fait certain, c'est qu'il a l'intention de construire un projet politique, un projet politique d'envergure et un projet politique prometteur. Et on croit que c'est pour m'encourager toute initiative du genre dans un pays qui besoin effectivement que les hommes et les femmes politiques, les jeunes, les paysans capables à mesure pour prendre initiative. Je me garde de faire tout commentaire sur le projet politique. Des défenses, est-ce que l'apton est allié au sénateur Lambert? M'apprenne que c'est défense parti, M. Hannibal Labralgué. Les l'apton est allié? Ah, bon, ça, je ne connais pas le dans la rue. Moi-même, je ne pas faire commentaire. Mais de toute façon, je serai toujours du côté de M. Hannibal, avec M. Hannibal, dans toute initiative que l'apton. Et c'est vice-versa. Parce que c'est plus qu'un ami, c'est presque un frère. Ok. Maintenant, Kounia, en fonction de ce que là de Ariel, là, sénateur Lambert, ou dit que l'offre parle à Ote ou elle prend la parole tout, est-ce que ça le dit au convainc ou fait que Ote Kamande le font tirer toujours, ou bien Davi ou toujours Davi à ce qu'il doit démissionner? Écoutez, premier, il ne pas aller. Premier, ça connaît qui ça le dit, s'il est convaincant ou bien s'il n'est pas convaincant. De parler pour le ministre à Jodia, bon, moi, situation n'a pas évolué. Sinon, que je suis capable de dire presque en privé, parce que mon bon pays a encore été à terre. Il n'a pas qu'à fonctionner. On met ce fond coup d'œil là, dans la capitale là, et puis il a constaté de par eux-mêmes. Ça veut dire que il y a des gens qui sont pigés pour plus rejoindre les debout, mais cependant, bonne situation qui courriasse, une situation qui corsée. Et cette situation mérite une révision de la stratégie. Du premier ministre. S'il continue à avoir un comportement démissionnaire, parce que quand change un gouvernement, quand on change un directeur politique, quand on fait n'importe qui bagaille là, le premier ministre, ça peut pas comprendre, c'est que. Dynamique d'ensemble, c'est pas stratégique par là, ni pas que je ne veux dire que la paix ou bien la vie, le cap des résultats. Il faut cette mise en commun, cet accord-là, qui impliquerait beaucoup plus de secteurs, beaucoup plus de pôles politiques, et ceci avec ce qui reste, ce que je peux appeler ce îlot. De légitimité qui reste encore dans ce pays qui est le Sénat de la République et que mandat a fini jusqu'en janvier 2023. Et sous base ça, nous croyons que le Premier ministre dit qu'il y a des quatre semaines, que les quatre que des gens qui, dans l'environnement, etc., pas conduit politique ensemble avec lui, à son cabinet, s'il vraiment que le bon cabinet est tout, etc., s'il vient des conseillers, que les cas comprennent que je ne le dis pas, il y a un truc à faire, il y a des choses à faire, et le plus tôt serait le mieux. Voilà. Très bien. Professeur Léonidas. Sénateur, je dis à vous parler d'une certaine institution qui est le Sénat de la République qui gagne anti-légitimité. Pas de problème. Pour qui ça à partir de légitimité? Excusez-moi, ma rectifiez vous. Il y a ce îlot de légitimité qui reste encore au Sénat de la République à travers ces 10 sénateurs. C'est ça. Non, bonne légitimité. Okay. Sénateur, si vous permettez. Excusez-moi, en légitimité constitutionnelle, en légitimité populaire, en légitimité institutionnelle. Avec légitimité, ça, jusqu'en janvier 2023. C'est ça, me besoin de 10 pays, oui. C'est ça, me besoin de 10 pays, oui. Excusez-moi. Attends, quand on pose une question. Sénateur, attends-moi, sénateur.
légitimité populaire, légitimité constitutionnelle, légitimité tout sauf les, pas répondre à ça. Pourquoi ça tient Sénat ça? Pas qu'à garder la Cour de cassation avec ça le rester là-dedans. Parce qu'il y a des juges à la Cour de cassation. Pourquoi ça tient Sénat ça? Pas chita avec Fédération des Barreaux, qui quand même c'est on, des organismes de société civile. Pourquoi ça le pas chita avec l'association des magistrats haïtiens? Pourquoi ça le pas chita avec d'autres institutions pour les 10 pays? En nous font bagaille largement large, sans tenir compte de intérêts personnels, nous, pour nous bailler payer en directif, pour nous bailler payer en l'autre chef, pour nous bailler payer justement orientation. Pourquoi ça ne va pas faire ça? Moi, ça, c'est parce que à chaque fois, on toujours rendre compte que même Haïtien lui-même, l'on prend des initiatives, même des secteurs l'on prend des initiatives, lui ont tendance à quitter côté légitimité à IA, l'aller ouvrir une boîte de Pandore. Et aujourd'hui, la classe politique, les secteurs, les pôles politiques viennent de la société civile, eh bien, ils ont ouvert une boîte de Pandore. Et là, ouvre une boîte de Pandore, eh bien, il y a toute qualité bagaille qui est capable de briser. Et le blocage, aujourd'hui, le blocage qui persiste aujourd'hui, eh bien, il réside dans le fait que, eh bien, en pile, on a essayé de quitter côté constitutionnel, côté légitime, bon, je dirais de préférence légitime, côté institutionnel là, eh bien, pour aller vers des solutions, je dirais, politiques qui pas inspirées de rien, qui inspirées de certains antécédents qui te gagnent. Je vais le dire, un fait est certain. Tant qu'au conseil qu'on baille là, aller vers l'autre branche pouvoir, et que considérer qu'ils sont pouvoir aussi légitime, parce que je tire légitimité au second degré à partir de vote et à partir de choix et vote que Sénat République l'a fait, tout le monde qui joue aujourd'hui à juge dans la Cour cassation. Sénateur, en seconde, s'il vous plaît. Pourquoi ça fait tirer Sénat par réuni? Il prend une résolution côté que le dit, il casse arrêté que mettez juge à la Cour de cassation à la retraite. Pour rendre la Cour de cassation confortable. Et pour nous qu'on y a deux institutions qui ont légitimité dans le pays, qui sont capables de faire un choix pour sortir nous dans les ténèbres que nous avons. Je vais commencer à dire que le Sénat est une note que je vais faire sortir pour nous dire dans total désaccord avec le président de la République. Je ne parle pas de notes, non, justement une résolution sénatoriale, 10 sénateurs votés, et puis on dit, mais exactement ça a sorti, nous dit que arrêtez que Jovenel Moïse se prend, il est illégal, il est constitutionnel, et que les juges sont désormais juges accrédités à la Cour de cassation. Ok. Est-ce que vous voulez exercice ensemble avec vous? On allait. Et ça, c'est moi-même, c'est Michel Sari. Et Michel, bonne opportunité, au moins pour parler, pour analyser, ça fait moi-même pas l'entendre. On va faire exercice ensemble avec vous. Où est-ce qu'on dit là? Et bien content le public. On va porter question lundi par devant l'Assemblée des sénateurs. Et on va dire que dans le bagage public que nous dégagons ensemble avec nous, et que mes suggestions que nous faisons, et que pour prouver bonne foi, non, on nous fait de telle sorte que nous mettons proposition ça à l'ordre du jour. Et m'a demandé à l'Assemblée sénateur à prononcer le sourire. Ensuite, pour que le tiers du Sénat lui-même associe ensemble avec le pouvoir judiciaire et puis pour garder pour être qui formule qu'il est capable d'essayer à partir de tout effort qu'a fait dans le niveau société civile et l'autre pôle politique pour trouver une solution pour bien essayer de dégager des pistes de solution à cette crise. Nous allons le montrer bonne foi et puis nous allons le montrer tout qui côté mauvaise foi. Sénateur. Pour pas prétendre pour être côté mauvaise soirée. D'accord. Et on va découvrir l'ensemble avec. Ok, d'accord. Maintenant, qu'on y a, bon bagage qui clair ici. Sénat, je suppose qu'il y a une relation avec Sénat, le tout Américain. Nous avons des échanges qui ont fait. Est-ce qu'on est d'accord que position Sénat, il y a en plus soin international là? À partir du moment où nous sommes capables de prendre une position qui prend une position émotionnelle, qui est une position personnelle, mais une position qui n'a intérêt pays. Ok. Mais au
Vous connaissez qui ça vous va soulever? Vous va soulever. Vous êtes qui ça d'après vous-même? Résolution que le Sénat prend, malgré que nous c'est le seul îlot de légitimité qui vient dans le pays, nous avons trouvé que c'était important pour nous aller renforcer la position ça auprès de la classe politique et de la société civile. Pour nous arriver à joindre un accord ensemble, nous joindre le protocole d'entente nationale qui lui-même a renforcé la résolution Sénat pour essayer de faire proposition que tu fais pour substituer à vide qui t'a gagné au niveau exécutif. D'après vous-même, peut-être que ça, juste au moment où on a parlé en là, et que mesure ça n'est pas capable d'adopter à 100% et de créer comme des carrières au malaise. Dans le niveau classe politique, là, qui jusqu'à présent pas capable de jouer une solution eux-mêmes. Parce que purement et simplement, toute solution que vous proposez là, c'est des solutions qui n'ont pas inspiré du tout de constitution. C'est parce que purement et simplement, nous sommes seulement à 10. Et là, à 10, ou pas gagner capacité totale, parce que nous avons un handicap. L'handicap, c'est que nous ne détenons pas la majorité suffisante pour le faire. Je ne veux dire, mais en considération, bon considération pour nous faire. C'est pour le nôtre ou dîme pour nous voir le Parlement qui vient tout partout à travers le monde. Nous avons fait ça. Lorsque, à un certain moment, le pouvoir. Lorsque, à un certain moment, tu as des problèmes avec l'envoi de manière peu orthodoxe du Sénat par le président. Nous t'ai fait ça. Et où t'es ouais que il y a des réactions qui t'ai faites un peu partout à travers le monde, à travers le Parlement européen, à travers autre, etc. Mais où t'es un exécutif qui t'est légitime et qui croit que lui-même il y a un support des Américains qui est elle et que lui-même fait quelque soit salvé, eh bien, pas un monde qui a fait faire why tout doli. Mais où qu'on est, il t'a dit tout. Moi-même, m'apprendre à compter. Exécutif, ça te dit. Moi, je compte compter, oui. Mandat, maintenant, l'a fini le 7 février 2022. Et il dit, tiens, Sénat qui était à lui-même, a fini le 2e lundi de janvier 2023. Avec dit que les pattes même reconnaître tout pendant que la posé à que sous l'autre sénateur, au côté sénateur, était encore 2 ans dans le mandat, puis il a été couvert. Eh bien, il n'est pas d'accord ça à lui-même et puis il choisit pour que lui renvoie pendant que lui-même il considère pas la bref. Mais tu as été complice? Non. Nous pas de l'accepter. Nous pas de l'accepter. Nous pas de l'accepter, tout le monde est simplement. Et gardez bien encore. Le Sénat, le tiers du Sénat a fait un recours par devant le tribunal administratif à la Cour des comptes. Et la Cour des comptes est traînée les pieds et pendant un bon bout de temps. Et puis la Cour des comptes, pas jamais produit un arrêt dans le niveau ça, qui était capable lui-même justifier de l'existence du tiers du Sénat qui était renvoyé de manière peu orthodoxe. Mais, m'a dit que situation ça n'a pas de jamais encore reproduit dans le pays. Pas de jamais reproduit dans le pays. Pendant que, à chaque fois, bon, pendant qu'il y a parlé de faire élection, vous mettez élu. Voilà que vous reconnaissez que des élus légitimes qu'il a, et puis pendant que élus légitimes qu'il a, même société s'accapare depuis la élection, et puis il a ignoré en légitimité constitutionnelle, en légitimité populaire, qu'un ensemble de sénateurs gagnent à l'échelle nationale, et c'est seulement ces 10 sénateurs qui existaient sur plus de 10 000 élus légitimes qui ont gagné dans le pays. Alors, je peux nous dire que bon débat sérieux qui pour faire dans le niveau société noire, et qui mandait pour que la presse, et plus particulièrement l'espace côté mis là, comme toujours starting niveau débat que nous avons fait, aller dans le centre ça tout, pour que au moins bon prise de conscience au niveau là. Pourquoi organiser des élections? C'est pour mettre en place des élus légitimes, pour mettre en place des institutions légitimes. Et voilà que vous avez maintenant des élus légitimes. Les seuls qui existent à travers le pays, sur plus de 6 000 élus légitimes que tu as doué pays, tu as doué compter. Et maintenant, vous essayez de chercher des solutions et en dehors de ces élus légitimes, en dehors de Mounsao qui gagne légitimité, ça, tant constitutionnelle que populaire.
Alors que là, maintenant, la boîte de Pandore est ouverte. Et puis, comment faire maintenant pour la refermer? Eh bien, moi, la proposition qu'on fait, nous, en très au sérieux, pour que nous gardions question ça, et puis pour nous, ouais, et à travers une résolution, ce qu'on peut encore, une nouvelle résolution, ce qu'on peut encore sauver. Est-ce que ça n'a pas sauvé de ça qu'il a, je Bon, quitte le sénateur Lambert, dernière question. En fonction de ça, dis-moi, élection, il n'y a pas pour Koulia. Bon, élection. Est-ce qu'il y a une condition qui réunit pour l'élection? Je me dis, y a pit, maman, tout le monde va amener à l'école. Si ma chaîne va à le vendre, nous ne va pas descendre dans le bureau. Si on veut pas de caillou, si on va vanter, on branche bois carte, il faut appeler dans le pot de caillou. Moun content, tout le monde sous gardio parce que vous ne connaissez pas votre carrière rénovée. En situation de peur prononcée qui gagne Kounia là, qui fait que psychologiquement, pas de personne qui est capable de mettre en état pour affronter un bagage comme ça. Deuxièmement, politiquement, les conditions ne sont pas réunies. D'ailleurs, cette tentative du Premier ministre pour laisser mettre un conseil électoral en place, les buter sur la réticence de grands secteurs de la vie nationale, des secteurs porteurs, comme l'ANMH, comme la conférence épiscopale et autres, etc., et qui refusaient systématiquement et automatiquement à une demande comme ça dans un moment pareil. Donc, la priorité des priorités aujourd'hui reste la question sécuritaire. C'est cette question que nous devons adresser. Et nous devons adresser cette question, non pas dans frapper l'estomac, dans battre l'estomac et autres, etc. Faut que nous adresser la question ça avec monde pour l'adresser et monde qui a connaissance pour adresser et de la façon que nous devons adresser. Voilà. La, et les élections pour demain, il n'est pas possible encore pour demain. Comme j'ai eu aussi le courage de dire à Mme Simpson, à M. Gonzalez, c'est l'autre monde encore qui était en mission en Haïti, lorsqu'ils ont voulu me faire croire que les élections pouvaient se tenir le 22 septembre et le 26 septembre en 2021, eh bien, j'ai dit carrément que moi-même, personnellement, et si vous pensez peut-être que je suis capable de faire l'élection le 26 septembre 2021, mais m'a dit non carrément non, je ne peux pas. Mais si vous ne pouvez pas réaliser ces élections le 26 septembre 2021, alors pratiquement, ceci c'est comme une sorte de pression pour dire que oui, je peux organiser des élections et comme ça, tu auras la bénédiction de l'oncle Sam. Ah ben mon cher, j'ai eu le courage de leur dire non, que ça ne c'est pas possible. Mm-hmm. Parce qu'il y a des prérequis qui pour moi-même sont nécessaires avant de parler d'élections. Et l'élection, on n'a toujours qu'une élection, c'est élection dès que possible. Mais on fera tout ce qui est nécessaire pour essayer d'enrayer ce phénomène d'insécurité et durant l'année 2021 et pour que l'année 2022 capable lui-même pour l'année électorale. Mais on a perdu du temps et aujourd'hui le problème n'est pas résolu parce qu'on n'a pas su prendre les bonnes mesures au bon moment et faire les bons choix politiques et tactiques et stratégiques au bon moment. Et c'est là notre dilemme et c'est ça que peuple haïtien a payé la paix. Incapacité ensemble de monde pour dire bagaille là, là pour dire et intransigeance en série de monde qui croit qu'il est capable de monter dans le paradis pendant que nous en fait avec tout péché au sud de nous. Et puis, des mondes qui jouent aujourd'hui qui font un péché véniel, pas quand même à l'impugatoire, et vous voulez traîner tout dans l'enfer, même côté ensemble avec ça. Il faut à un certain moment que moi-même j'ai le courage pour me dire bagaille, parce que vous pile monde qui ne peut pas dire vérité, masquer réalité là, parce que yo pas vrai adresser problème non. Moi dit oui, il faut adresser le problème. Il faut adresser ces problèmes et ceci avec sérieux, avec droiteté, avec intelligence, avec sincérité aussi et pragmatique. Voilà, mais voilà notre problème, c'est le problème haïtien. Haïtien, tout le monde qui veut prendre une initiative sérieuse. Tout le monde qui veut aller dans le sens du bien et de bon, eh bien, je prends donc un diable, je diabolise et puis je fais de telle sorte que je dis que lui gagne l'autre ambition marquée. L'autre, il faut avancer. C'est un d'accord, son bateau qui a coulé. Il faut de bons matelots pour essayer d'éviter que le bateau
coulé. Il pas de vrai matelot et de bon matelot, de bon capitaine qui pour mener bateau a coulé et l'a coulé avec nous tous. Et le Sanab dit, si nous te connais, toujours derrière, sans vous, si nous te connais, à un certain moment, le président Jovenel, avant son assassinat, a eu à me dire, adieu, si je savais sincèrement de Dupron comme premier ministre. Je me dis, président, il est trop tard, parce que maintenant, me prendre comme premier ministre, je ne peux pas faire de rien pour vous, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Je ne veux dire un pays qui est totalement fragmenté. Comment approcher Youri? Comment approcher Nenel Kassi et autres, etc. C'est dans l'autre planète que mon Youri est là, je ne veux dire. Je ne suis pas capable d'utile. Pour me un premier ministre, pour un certain moment, il faut que je ne sois pas utile pour se résoudre le problème. Mais je ne veux dire, l'élection a bien été faite. Le Parlement a bien été voilà, entré en fonction. Nouveau président a bien été élu. Et songez à un certain moment, il y avait même dit au président, dans l'accord l'annonciature apostolique là, il avait dit au président, et ceci en présence, et il peut le témoigner. Il peut le témoigner parce qu'il est encore vivant. Mm-hmm. C'est l'ex-ministre du tourisme, ainsi que M. Libéris, il a dit, monsieur, écoutez, on fait un accord politique. On nous prévoit que le président partit en septembre 2021. Si toutes conditions réunies pour que l'élection finisse dans la période ça, et bien le président est capable de partir comme tout le pays japon de départ, ok, on fait un sacrifice pour faire 3 mois ou 4 mois dans le mandat. Mais il faut que toutes conditions, toutes élections finissent faites pour que élu remplace élu. Mais le parti dit, ah, l'envers son diable, l'envers son traître, l'envers son traître. Comment vous faites? J'ai tout tenté pour essayer d'éviter. À pays, on fait que la vivre là, je ne veux dire. Et si l'élection n'est pas confinée en 2021, c'est un résultat élection qui a baillé en septembre 2020, en octobre, ou bien en novembre 2021. Qui était au monde qui a gagné pour que vous mandez un président pour le parti en décembre 2021, pendant que 7 février 2022 la partie. Comme on a fait politique, pas pour comment on a marié intelligence ensemble avec. Volonté qu'on ait désir pour servir le pays. Profond désir de servir mon pays, malheureusement, à chaque fois, pour une situation qui fait que on refuse de choisir les bonnes personnes dans les bonnes places et ceci au bon moment. Merci beaucoup, sénateur.